Et bonjour à tous, bienvenue. Attends un instant. Hop. J'espère que vous allez bien. C'est la bonne scène, hop. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, tout a l'air d'être bien. J'espère que vous allez bien. Je vois qu'on a un peu de monde dans le chat. Normalement, j'ai mis des bots qui devraient fonctionner. Je pense que celui sur YouTube, il faut le rafraîchir. Ah oui, tout à fait. Attendez un instant, je vais rafraîchir les bots sur YouTube. Parce que du coup, je l'ai mis pour... Qui est-ce qui a essayé? Amine. Je l'ai mis à jour, en fait, juste au moment où tu utilisais la commande attaque. J'ai mis les titres du jour, sauf que... Sauf que manque de bol, il faut rafraîchir de temps en temps le bot sur YouTube, donc je vais faire ça tout de suite. Si j'arrive à copier-coller, on va y arriver. Hop. Attendez un instant. J'espère que vous allez bien. On est le 23 janvier et on va faire la petite matinale. Ce matin, on a pas mal d'articles un peu techniques de write-up si ça vous intéresse. Et on a aussi... Et on a aussi pas mal de news un peu plus politique, éthique, etc. Yes, je vais avoir droit à un pentest en live. Merci Greydark. Merci Greydark. Hop, bon. Si le bot YouTube a décidé de marcher, eh bien je vous propose de prendre un peu de hauteur sur les nouvelles de cette semaine. Et il marche. Excellent. Allons-y. Et on va commencer tout de suite avec la une. Et moi, je vais me mettre debout. Debout. Alors. De quoi on va parler ce matin? Les titres de la journée. On va parler d'abord d'une nouvelle un peu étonnante qui est le piratage du marché noir Solaris par Kraken. Et donc c'est assez étonnant d'avoir un marché noir qui pirate un nouveau. C'est pas les autorités américaines ou quoi, c'est pas la NSA, c'est rien de tout ça, c'est les mecs qui se piratent entre eux. Et donc on va en parler tout de suite. Laissez-moi, hop, me prendre mon café. Moi, je suis à la bourre. Ensuite, on va parler d'une vulnérabilité dans Git et dans Sudo. C'est deux vulnérabilités qui sont hyper impactantes. Parce que pour Git... Vous m'avez bien entendu, d'habitude, quand on entend des vulnérabilités en lien avec Git, c'est souvent du GitLab ou éventuellement GitHub. Là, il s'agit du protocole Git. Donc, en fait, ça affecte énormément de systèmes différents. Et ça va être très impactant parce qu'on peut faire de l'exécution de code sur le serveur Git. Donc, ça veut dire que l'instance GitLab.com est vulnérable, ça veut dire que toutes les instances, tous les gens qui ont des GitLab chez eux sont vulnérables, mais aussi toutes les alternatives, GitHub, etc., et eux-mêmes sont eux-mêmes vulnérables. Donc GitLab a publié des correctifs, et on va aller voir tout ça d'un peu plus près. Même chose pour sudo. Sudo, donc, c'est une commande qui permet de changer ses droits, changer ses privilèges sur Linux. Ça permet par exemple d'exécuter des commandes en tant que l'administrateur sans forcément être l'administrateur. Et donc c'est très utilisé typiquement pour tout ce qui est élévation de privilèges. Si vous avez un pied sur un système Linux, eh bien vous pouvez
vous pouvez élever vos privilèges, vous pouvez exécuter des commandes en tant que l'administrateur via cette vulnérabilité. C'est une vulnérabilité qui est dans les sudoers. On va regarder un peu plus en précision ce que c'est. On peut parler aussi du plan social de Google. C'est pas vraiment de la cyber. J'aime pas trop. C'est un peu plus de la tech. Moi, j'aime pas trop parler de la tech. Ça fait un peu. Parce que ça m'intéresse moins. Mais en fait, il y a des implications en termes de cybersécurité dont je voulais vous parler. Et donc, je vous propose d'aller en parler. Globalement, Google, ils ont mis à pied quoi, 6% de leur workforce. Et ça représente quand même quelques dizaines de milliers de personnes, je crois. Donc c'est assez énorme. C'est énorme. C'est moins de pourcents que Sophos, mais c'est un nombre de gens impressionnant et qui en fait potentiellement bossaient sur des sujets hypersensibles. Ensuite, on va parler d'un tank US dont le plan s'est retrouvé, un plan top secret, hein, qui s'est retrouvé sur un forum de jeux vidéo. Donc, une petite boulette, c'est pas la première fois que ça arrive. Tiens, je vous spoil le mème de la semaine. Parce que donc c'est les meilleures agences de renseignement du monde, et donc vous avez les agences russes, anglaises, américaines, et évidemment le jeu vidéo War Thunder. Parce que c'est pas la première fois qu'ils se retrouvent avec des plans top secret. Enfin, je voulais vous parler des modérateurs de ChatGPT. Donc ChatGPT, vous connaissez tous, c'est une IA très réputée, à la pointe de ce qui se fait en termes de machine learning, de génération prédictive de texte. Et en fait, on apprend dans un article qu'ils ont, en fait, l'IA a été entraînée sur Internet, et donc ils ont dû filtrer tout ce qui était toxique sur Internet. Et notamment, il y a d'autres IA comme DALL-E qui génèrent des images, et donc ils ont dû filtrer aussi tous les contenus, toutes les images sur Internet, les labelliser pour savoir ce qui était vu, ce qui était malveillant, ce qui était, comment dire, ce qui était correct et ce qui ne l'était pas. Et donc, tout. Ça a été évidemment le travail de Jean, et évidemment, ces gens ont été exploités comme c'est traditionnellement le cas, et si on a le temps d'en parler, et ben on va voir que c'est très peu isolé. C'est un grand classique dans tous les algos de machine learning. Voilà. Je vous propose, n'hésitez pas à me dire dans le chat, que vous soyez sur YouTube ou sur Twitch, je vois le chat, j'ai le chat sous les yeux. N'hésitez pas à me dire. Si vous voulez parler d'un sujet plutôt qu'un autre, n'hésitez pas à me dire si un article vous intéresse, si vous voulez aller voir plus en détail, etc. On a beaucoup d'articles tous les lundis matin. Il se passe beaucoup de choses. Donc moi j'en fais une sélection. Il y a 2-3. Si vous me dites rien, moi je sais un peu où est-ce que desquels j'ai envie de parler. Mais n'hésitez pas à me dire, vous, si vous avez envie de discuter, et si vous avez des news en plus aussi, n'hésitez pas à me les balancer dans le chat. Évidemment, je les vois. Laissez-moi regarder un truc. Paf, paf. Attendez. Hop. Voilà. Hop. Ah ouais, là, je fais de la merde. Voilà, hop, excusez-moi. C'est mon prompteur qui déconne. Et je vous vois en fait, j'ai le chat dans le prompteur, comme ça je vous vois directement en regardant la caméra. Piratage entre marché noir, guide sudo et GPT. Eh ben nickel, ça correspond à peu près à ce à quoi j'ai envie de parler. Salut Deathendrix, salut Boîte à Binouze. Bon lundi matin à vous. J'espère que vous allez bien. Alors, les attaques, les cyberattaques. Alors, vous l'avez remarqué, j'ai changé le look de ma slide pour ceux qui sont là les autres semaines. C'est moins joli, mais moi, ça me permet de la générer automatiquement, donc c'est très efficace.
PayPal, donc. Alors, piratage de marché noir de projets concurrents, on va aller voir en détail le. Je vous propose de faire comme les autres jours, je lis tous les titres, et puis on va aller voir plus précisément, du coup, les différents articles qui nous intéressent. Greydark nous a dit qu'on allait peut-être commencer par le piratage entre Kraken et Solaris, et c'est ce qu'on va faire. Donc, pour tout ce qui est attaque, on a eu un piratage entre deux marchés noirs du Dark Web. D'habitude, c'est plutôt les services des agences de renseignement ou quoi qui piratent les marchés noirs, mais là non, ils sont piratés entre eux. PayPal victime de credential stuffing, donc PayPal, il y a eu beaucoup de comptes qui ont été piratés, mais en fait, c'est pas PayPal qui s'est fait pirater, c'est ses comptes. Le credential stuffing, c'est une attaque où en fait vous reprenez des identifiants qui ont fuité sur Internet et vous les testez ailleurs. Donc en fait, il y a certains journaux qui ont dit PayPal a été piraté, etc. Non, c'est les comptes de PayPal ont été piratés, mais c'est pas vraiment de la faute de PayPal si tu réutilises des mots de passe ou si tes mots de passe ont fuité dans la nature. Même si évidemment ils peuvent faire des choses pour se protéger. Deathendrix me dit qu'il fait un café. Bah écoute, bon café à toi, Deathendrix. Je trinque à la tienne. Mailchimp piraté. Donc Mailchimp, c'est un site qui permet de faire des newsletters par mail. Et alors, c'est un peu embêtant parce que du coup, quand on pirate un site de newsletter, santé. Quand on pirate un site de newsletter, eh bien, on pirate un moyen de contacter beaucoup de personnes, donc potentiellement faire du phishing. Et en plus, c'est pas juste qu'on contacte des personnes, on contacte ces personnes de la part d'autres gens avec qui il y a eu une relation de confiance. Donc c'est assez embêtant. Dans les news, on va parler des modérateurs exploités de ChatGPT. On va parler aussi de la guerre des API d'extension de navigateur. Moi, c'est un sujet dont j'aimerais bien vous parler. Et je vais vous expliquer un peu ce qui se passe avec. Enfin, on va lire un article en fait, hein, c'est pas moi. Avec Manifest V3. En gros, salut Token. En gros, Google sort une nouvelle API pour son navigateur, pour comment les extensions navigateurs vont interagir avec le navigateur. Et sauf que vous savez que Google est une entreprise qui vit des revenus de la publicité. Donc évidemment, ils n'ont aucun intérêt à ce qu'on ait des bloqueurs de pub. Et évidemment, leur API Manifest V3 vous permet de faire des choses dans le navigateur, mais pas de bloquer la pub. Donc en gros, c'est pour ça qu'il y a eu des débats autour de uBlock Origin, autour de AdBlock qui a passé des accords, etc. Parce qu'en fait, pour continuer à fonctionner, ces adblocks doivent laisser passer une certaine quantité de pubs de Google. Donc évidemment, ça pose beaucoup de problèmes. Et Mozilla a annoncé ils sont obligés en fait de s'adapter à la nouvelle API parce que Google ayant un monopole, Google pousse ce qui est possible de faire et pousse pour que les changements que eux font soient adoptés massivement. Mais Mozilla a bien l'intention quand même de résister pour continuer à bloquer les pubs. Donc Mozilla dit en gros, on va accepter plusieurs API. On va suivre Google parce qu'on est obligé, c'est les leaders du marché, etc. Donc on est obligé de suivre leur API. Mais on va rester compatible avec les API qui permettent de bloquer les pubs. Windows 11, 2011, n'importe quoi. Windows 11 Insider Pro permet maintenant de désactiver par défaut les logins, en gros les logins invités. Donc quand on n'a pas un compte sur l'ordinateur. En fait, ce qu'on pouvait faire avant, c'est qu'on pouvait downgrader les protocoles. On pouvait dire, ok, bon, si c'est une vieille machine qui se connecte sur cet ordinateur, eh bien on va utiliser un vieux protocole et c'était une vulnérabilité assez utilisée pour faire un certain nombre d'injections. On va aller lire ça, si ça vous intéresse. Ça, c'est si vous voulez.
Et en gros, maintenant, c'est pas qu'ils permettent de désactiver, c'est qu'ils le font par défaut. Ce qui est intéressant. Donc, moi, j'ai un gros problème avec Microsoft, c'est qu'ils vendent quand même un produit qui est un peu insécure par défaut. Et donc, le fait qu'ils adoptent par défaut un certain nombre de conditions un peu plus durcies, c'est quand même une très bonne nouvelle. On va parler. C'est potentiellement une plus grosse nouvelle que ce qui suit, ce qui est même un peu au-dessus. On va parler de l'arrestation d'un gérant d'un échange de crypto-monnaie qui s'appelle BitZalo. Et en fait, cet échange, cette personne a été piratée. Il y a plusieurs versions. On peut dire qu'il a été piraté parce qu'il a mal fait ce qu'on appelle le KYC, c'est-à-dire le Know Your Customer. Autrement dit, maintenant, dans les échanges de crypto-monnaies, on vous demande d'avoir un certain nombre d'informations sur vos clients. Et lui ne l'a pas fait. Et donc, il a été arrêté parce qu'en fait, c'était utilisé, cet échange de crypto-monnaies était utilisé par les acteurs de ransomware. Et le gars était un Russe qui vivait en Chine, mais qui bossait depuis Miami. Et donc, il a été arrêté. Grâce notamment à la police française, donc Cocorico. La police française a saisi a saisi le truc. Ouais, Mozilla, c'est bien, moi j'aime beaucoup Mozilla, ou Brave, et Brave c'est très bien aussi. Alors, je vois que les news sont celles de la semaine dernière. Comment ça se fait? Attendez. Comment ça se fait? C'est quoi ça? C'est les attaques? C'est la une? Un petit bug. Un petit bug. Peut-être que je relance le. Que je relance le. Le bot. On le fera plus tard. Je voulais vous parler de la suite. Ouais, licenciement chez Sophos, qui est une grande entreprise de cybersécurité. C'est pas des licenciements aussi gros que Google en nombre, mais ça représente quand même 10% de l'entreprise. 10% d'une grosse entreprise de cybersécurité, c'est évidemment forcément impactant. Et puis, ces gens-là, bah forcément, les licenciements à l'américaine, c'est bonjour, au revoir. Vous recevez un texto, vous êtes viré, et c'est bon, vous êtes viré, quoi. Ça va assez vite, donc on imagine que ces gens-là vont devoir se trouver un nouveau travail, donc ils sont sur le marché du travail, donc on va voir ce qui en sort. Je voulais vous parler d'ExploitDB, ExploitDB qui est un site bien connu de tous les participants au CTF et même tous les pentesters. C'est un site qui recense tous les plein de scripts d'exploitation de vulnérabilités connues, notamment tous les scripts qui sont intégrés dans Metasploit. Et là, ExploitDB, en fait, on se rend compte que ça fait depuis un an qu'il n'y a rien qui a été mis à jour. Il y a l'association, l'organisation Offensive Security qui a annoncé qu'ils allaient quand même de temps en temps publier des mises à jour sur leur GitHub. Mais en fait, il n'y a pas d'engagement, on ne sait pas quand. Donc c'est dommage parce que ça aurait pu faire un truc un peu communautaire, un truc un peu wiki où les gens regardent les exploits les uns des autres et les valides. Là aujourd'hui, il faut juste. Aujourd'hui, on est obligé de passer par des gits. Chacun a son git. C'est un peu le bazar. L'avantage de tout centraliser chez ExploitDB, c'est qu'on avait des Google Docs, qu'on avait des scripts d'exploit, etc. Tout qui était un peu au même endroit. Enfin, Bitwarden qui rajoute la startup européenne passwordless.dev. Voilà, une petite nouvelle. Je passe à la suite. En termes de géopolitique, l'armée malaise a été victime d'une cyberattaque. On peut aller regarder le communiqué. L'Iran, d'après une entreprise de cybersécurité, je ne sais plus laquelle, ils ont des sondes dans différents endroits dans le réseau Internet mondial. Et ils indiquent qu'ils pensent que l'Iran a été ciblé par APT-15, qui s'appelle aussi, je ne sais plus comment, Playful Taurus, il me semble. Et, ouais, c'est ça. C'est Palo Alto qui nous dit qu'il voit que l'Iran a été ciblé par Playful Taurus,
un APT-15 chinois. Évidemment, ça a un impact important si l'Iran est attaqué par la Chine, parce que l'Iran, vous savez, qui est déjà très isolé de par sa position contre les US. C'est vraiment dommage, il y a tellement de possibilités. Tu parles de ExploitDB ou tu parles des titres? Parce que tous les titres sont dans la description sur YouTube, sont sur le Discord. Enfin, je vous mets des liens pour chaque article. Et c'est sûr que c'est un peu frustrant de faire sa veille en cyber parce qu'il y a tellement de trucs intéressants. Et encore, je suis même pas arrivé jusqu'à la catégorie des write-up. Ah, ExploitDB. Ah oui, d'accord, moi je l'ai parti sur autre chose. Ouais. Ouais, il y a tellement de trucs à faire. Ouais. Mais peut-être on pourrait monter un truc, tu vois, une sorte de Wikipédia. Où en fait, t'as même pas besoin de. Moi, c'était un projet que j'avais, qui était de monter sur mon site perso chaque vidéo, plutôt que de faire une, plutôt que de mettre les sources comme sur YouTube avec juste un lien, etc. En fait, personne ne clique jamais sur les sources. Je crois que dans ma dernière grosse vidéo, j'ai mis une vidéo, je sais pas, d'un canard en plastique et personne m'a jamais fait remarquer. Donc personne va voir quoi. Et j'aurais bien aimé. J'avais un projet de faire un truc un peu graphique, tu vois, un peu en mode graphe, avec des nœuds, et tu vois les différents articles, en fait, qui font référence à différents sujets, et tu peux aller chercher de l'un à l'autre. Ce serait hyper intéressant de faire un wiki un peu comme ça, parce que maintenant qu'il n'y a plus les exploits, qu'il n'y a plus ExploitDB, en fait, rien que faire un wiki où tout le monde pourrait contribuer et donner de la réputation à certains gits, à certains exploits, plutôt que d'autres. Tu vois, typiquement, quand tu lances un truc sur ton ordi, t'as pas envie que ce soit de la merde, t'as pas envie que. Ouais, genre Malpedia, exactement, ouais. Exactement. Exactement. Ouais, alors il y a des projets qui existent, ouais, c'est clair. On va aller voir Malpedia. Hop, pour vous montrer. Ce dont. Donc voilà Malpedia, mais il me semble que Malpedia c'est plutôt des samples de malware. Mais c'est pas des POC. Tu vois, on pourrait faire un truc POCpedia ou un truc qui agrège tout. Parce qu'en fait, si tout le monde a un intérêt à tu vois, forcément, quand toi, tu proposes un POC à la communauté, tu as un intérêt à ce que ton POC soit connu. Et donc, en fait, ce serait hyper intéressant d'avoir un truc pour les POC, pour qu'il gagne en visibilité, qu'il y ait une question d'influence, etc. Bah, c'est le Fraunhofer Institute. C'est en allemand? Non, c'est en anglais, ça. Ou tu parles d'autre chose? Il y a d'autres initiatives du Fraunhofer Institute, on peut aller regarder. Mais c'est plus pour les malwares, ouais. J'ai eu un doute quand tu en as parlé. Mais bon. Bon, en soi, rien ne nous empêche, nous, de le monter. Il faudrait l'interfacer avec Metasploit. Tu vois, juste pour faire un truc comme Wikipédia, on n'héberge rien, on héberge juste des liens. On pourrait monter un truc comme ça. Bon, nous digressons. Je voulais vous parler aussi d'Intellexa, donc qui est une entreprise de spyware, un peu comme NSO Group. C'est des spyware israéliens, il me semble. Et ils ont été condamnés à une amende de 50 000 euros par la CNIL grecque. 50 000 euros, c'est peanuts pour une entreprise. Ah, alors, faut voir la taille d'Intellexa. Mais à mon avis, ils doivent brasser suffisamment pour que ce soit pas grand-chose. Et la raison, c'est qu'ils ont refusé de fournir au gouvernement
la liste des ressortissants grecs qu'ils espionnent. T'as eu des cours. Waouh! T'as eu des cours sur comment faire d'époque? T'as été dans une école underground de hacking underground? L'école des hackers non éthiques. Je voulais vous partager une petite news. Un truc X-Mine interlie les différents articles. X-Mine? Alors attends, on va chercher aussi. Ah oui, c'est des mind maps. Alors moi, j'aime pas les mind maps. Je trouve que c'est pas intuitif. Ouais, moi je pensais à un truc plus graphique, tu vois, avec des nœuds à la Bloodhound par exemple. Mais j'avoue que les. J'ai toujours un peu de mal avec le format mind map, que je trouve pas très accessible. Mais je voyais un truc. Moi, c'était une idée. Un jour, je le ferai. Quand j'aurai pas besoin de bosser pour gagner ma vie. Quand on aura le revenu universel. Ou le chômage. Donc, je disais. Je me perds. Non, j'étais à l'université de Bonn. Ah, super intéressant. J'ai failli faire aussi des études en Allemagne, mais finalement c'était galère, ça ne s'est pas fait. Je voulais vous parler, en termes de data sécurité, je voulais vous parler de Meta, qui se prend la troisième amende de l'année. C'est quelque chose qu'on pourrait entendre de manière générale. Troisième amende de l'année pour Meta, ça arrive. Mais sauf que là, on est quand même le 20 janvier, ce qui est donc c'est quand même une belle performance. C'est pas très grave, hein, c'est 5 000 euros. Mais c'est quand même une belle performance d'avoir pris trois amendes en 20 jours. Donc je voulais vous le partager. Hop, les RCE. On va parler des RCE de Git. Donc c'est 3, 2 RCE, pardon, dans Git. Et effectivement, on parle bien de RCE et on parle bien de Git. On parle pas de GitLab, on parle pas de GitHub, on parle de Git, le protocole. Donc, et c'est des RCE dans le serveur de Git. Donc, c'est très impactant parce qu'il y a plein d'autres. On connaît GitLab, mais il y a plein d'autres versions de Git. Bypass dans sudoedit, on va en parler. Donc, c'est le truc qui permet de devenir administrateur d'un ordinateur sur Linux. C'est très impactant. À chaque fois qu'il y a des vulnérabilités dans sudo, ça a été un peu la cata d'un point de vue cyber. On va parler aussi de. Et ça, si vous voulez, on peut lire le write-up. On va parler de CSRF dans la gestion des services Azure. C'est une belle vulnérabilité web. Une CSRF qui n'était pas évidente, qui a été identifiée. Et ça permet de devenir. Ça permet à un attaquant de. Il me semble qu'il peut exécuter du code du coup via les Azure Services ou accéder à minima aux Azure Services. Donc Azure Services, c'est tout un tas de. C'est un terme générique pour parler de plein d'applis sur Azure. Donc c'est évidemment très impactant. C'est une entreprise qui a trouvé ça. Et ils ont eu une prime de Microsoft parce que évidemment c'est super impactant. Je verrais bien une spéciale matinale aux locaux du CCC. Cyber Chaos Computing Club. J'ai bugué avec le campus cyber. Je t'attends quoi, CCC? Oui, on pourrait imaginer plein de choses. Moi, je serais très chaud. En concurrent direct de. Alors, Hop, on a Defendrix qui nous parle de Packet Storm. Qui nous dit qu'en concurrent direct, on a PacketStorm Security. Tu penses qu'ils ont autant de scripts d'exploit? Tu vois, si on regarde les derniers jours, on va regarder pour la vulnérabilité sudo.
pense qu'il... Ou alors il faut peut-être se loguer. Il faut peut-être se loguer pour avoir... Parce que est-ce que... Tu vois, nous on parle d'agréger tous les POC. Ce qui pourrait être intéressant, ce qui serait intéressant, ce serait... Parce que là j'ai l'impression qu'ils agrègent toutes les mises à jour de sécurité. Trier exploit en haut. Ah oui. Ah oui, les choses, ouais. Et c'est des ride-up. Ok. Ok, je pensais pour moi, je voyais le nom de Packet Storm passer beaucoup pour des alertes et de la défense, mais pas pour des POC. Intéressant. Je rajouterai la description, je rajouterai sur Discord et à la description. Tu as tout à fait raison de me le signifier, Defenrix. Je relance mon bot, parce que je vois que YouTube ne suit déjà plus. On disait, on finit les titres. Après, on va passer aux lectures un peu plus spécifiques. Centreon, qui est un logiciel de gestion, il y a un plugin très utilisé qui s'appelle MAP, qui est vulnérable. Il faut le mettre à jour ASAP si vous l'utilisez vous dans votre entreprise, mettez-le à jour. AppLocker, donc qui est une protection sur Windows qui peut être bypass. Ça, on peut aller regarder le write-up aussi. TP-Link qui a une vulnérabilité par canaux auxiliaires qui permet d'identifier le code d'administration du routeur et à partir d'une attaque par canaux auxiliaires. Donc les attaques par canaux auxiliaires, c'est toujours très marrant. En gros, c'est qu'on ne va pas attaquer la surface d'attaque classique, on va s'intéresser à l'intégralité de la stack, y compris matériel. Et donc, par exemple, on va mettre un peu trop de courant électrique et on va voir comment se comporte le système. Et potentiellement, en observant les erreurs, ben, on va pouvoir récupérer des clés cryptographiques. Donc c'est toujours très fun. Et c'est toujours très intéressant et assez impressionnant. Ok, et en fuite de données, je voulais parler de 37 millions de comptes de T-Mobile, l'opérateur téléphonique américain, qui fuitent dans la nature. C'est une fuite énorme. Énorme. Aussi, on a la compromission d'une compagnie aérienne américaine. Et en particulier, ce qui est intéressant pour ces compagnies aériennes, c'est qu'il y a les US éditent une liste à destination des compagnies aériennes qui s'appelle la no-fly list, qui est un peu une légende, qui est la liste des gens qui ne sont pas autorisés à prendre l'avion. Typiquement, si vous avez des liens avec Ben Laden, eh bien vous n'êtes pas autorisé à prendre l'avion. Et évidemment, c'est tout un sujet politique de savoir comment on définit le lien, qui a le droit de prendre l'avion ou pas, qui est considéré dangereux. Donc ça a beaucoup intéressé la curiosité du hacker qui a fait ça. Et ce qui est intéressant, c'est que le hacker raconte sur son blog comment il a fait via des jetons d'accès à du cloud. On peut aller regarder le write-up aussi. Et enfin, des plans top secrets sur le forum de jeux vidéo War Thunder. La dernière fois que c'est arrivé, c'était des Français. Et bien là, ça arrive à des Américains. Et je crois que c'était arrivé avant à des Chinois et à des Anglais, où en fait on a des gens qui discutent sur genre World of Tanks et qui disent non mais le tank, j'en sais rien moi. Le F-16 américain, le Tant MX-10 RC français, il fonctionne comme ça. Non, non, il fonctionne comme ça. Mais si, regarde, voici un plan. Et en fait, tu te rends compte que le document, c'est un plan top secret qui a fuité. Parce que pourquoi pas? Donc, voici pour cette semaine. Quelle heure est-il? Il est 9h11. Eh bien, qu'est-ce que vous voulez? On va peut-être lire quelques articles pour commencer, puis au moins un article, et puis après on... Ou alors les trois sujets que nous avait dit qu'avait sélectionné Grey Dark, il avait dit que ça les intéressait. Et puis après, on va faire les petites rubriques habituelles. On essaiera d'y arriver à 9h30.
On voulait regarder Kraken. Alors. L'article s'appelle Ah, hey, il est derrière un paywall. Donc, on va prendre un autre article. C'est un article, donc source secondaire, c'est un article par Kathleen Simpano dans sa newsletter qui nous dit les administrateurs de la marketplace sur le dark web Kraken ont piraté et compromis l'infrastructure de Solaris, un de leurs rivaux. Le piratage est apparu le janvier 13, quand pardon, le vendredi 13 janvier, quand Solaris s'est mis à rediriger ses visiteurs vers le portail concurrent. Donc c'est pas mal. Si vous voulez gagner des parts de marché, n'hésitez pas à pirater à pirater vos concurrents et rediriger directement leur site web vers le vôtre. Ça marche très bien. Évidemment, je précise que c'est de la parodie, hein, que c'est du sarcasme, parce que sinon après je vais aller en prison. Ce qui est quelque chose d'assez déplaisant à faire. Mais donc oui, c'est quelque chose que vous pouvez faire quand vous faites des activités qui sont illégales de toute manière. Mais sinon, évitez. Donc, ça a paru du piratage quand ils sont mis à rediriger vers leur concurrent. Et sur leur concurrent, ils étaient accueillis par un message disant que ils avaient donc les administrateurs de Kraken avaient compromis l'infrastructure de Solaris. Je surveille mon chat. Est-ce qu'il marche toujours? Il marche toujours. Oh là là. Incroyable. L'entreprise d'analytique Elliptic a confirmé le piratage. Ils ont dit que Solaris était l'un des plus grands du dark web, qui gérait plus de 150 millions de dollars sa courte vie. Le marché Solaris était assez associé avec Killnet. Ah oui, alors c'est ça, c'est pour ça que je voulais vous parler. Parce que c'était associé avec Killnet, donc un groupe pro-Kremlin, qui avait pris position pendant la guerre. Mais on n'a pas compris si le groupe était bien ceux qui géraient ça. Il y a un chercheur en cybersécurité qui avait déjà piraté la marketplace. Best radio d'album ever. Killnet. Attends. Ah, est-ce que tu parles de ça? Parce que je me dis mince, il y a un album de Radiohead que je ne connais pas. Impossible. Impossible. Oui. C'est le meilleur. Mais c'est tous les meilleurs. Je dirais même que c'est tous les meilleurs albums du siècle. Si on me demandait mon avis, à moi. Alex Holden, un chercheur en cybersécurité avec des racines ukrainiennes, donc avait déjà piraté Solaris et volé 25 000 euros de crypto-monnaie qu'il a donné à des associations pour venir en aide à l'Ukraine. Elliptic pense que c'est ce piratage qui a attiré l'attention de Kraken. Sauf que Kraken, ils sont aussi pro-Kremlin. Et donc c'est le hack est juste pour la thune et il n'y a aucune chance qu'ils soient motivés par de la politique. On a perdu la musique pendant un instant. Voilà pour Kraken. On a lu un petit résumé. Grey Dark, tu voulais parler des deux RCE, donc je vous propose d'aller voir effectivement ces deux annonces qui sont très importantes.
Voilà, sur Security Online, on a un article sur ces deux vulnérabilités qui dit que les gérants du système de gestion de code Git ont publié une mise à jour pour des vulnérabilités de code d'exécution qui s'appelle, je ne vais pas dire le nom, mais les deux vulnérabilités peuvent être exploitées en envoyant à Git des entrées particulièrement mises en forme d'une manière particulière. La première, donc, c'est un overflow d'un entier qui permet d'un entier qui gère le padding. Donc le padding, c'est toutes les données qu'on va ajouter à la fin. Par exemple, quand vous faites du chiffrement, j'en sais rien, avec AES, AES, c'est un algorithme de chiffrement par bloc. Donc il faut que vos blocs fassent une certaine taille. Donc vous êtes obligé de faire du padding, c'est-à-dire d'ajouter des données à la fin, même si elles servent à rien, mais pour avoir une certaine taille à gérer par AES. Et donc, ce que nous dit le site, c'est que lorsqu'il gère les opérateurs de padding, qui sont typiquement les pourcents chevrons à gauche, pourcents chevrons pipe, etc. Tout ça qui dit dans le code, typiquement dans du C, qui explique qu'il faut faire du décalage, etc. Eh bien, c'est géré par un entier qui décide de combien on fait le décalage. Et en fait, cet entier, on peut le manipuler et donc écrire de la mémoire. La manipulation de cet entier résulte dans la modification arbitraire de zone dans la mémoire, dans la pile, qui est une partie de la mémoire vive. Et ça permet évidemment de résulter en de l'exécution de code. Et alors, le problème apparemment réside dans la fonction de git archive. La deuxième vulnérabilité, donc il n'est pas d'une CVSS de. Elle a pas un score de 9,9 sur 10, elle est moins grave, elle a seulement 9,8. Donc tout va bien. Et cette seconde vulnérabilité existe à cause d'un débordement d'entiers. Lorsque Git analyse les entrées Git attributes. Attendez, je vais enlever le mode lecture parce que je pense qu'on. Il y a peut-être des schémas qu'on ne voit plus. Non, il n'y a pas de schéma. Alors, je suis un peu déçu de la description de cette deuxième vulnérabilité, donc je vais aller regarder dans la source. Ah, c'est ça qu'il fallait regarder. Donc ça, c'est l'entreprise qui a audité Git. Et donc, ils disent, donc là, ils expliquent pour la première vulnérabilité. Ça, c'est la deuxième, donc ça c'est git attributes. Lorsqu'il parse une ligne dans git attributes, bah, par exemple le code en C ici peut faire overflow, peut faire déborder l'entier qui décrit le compteur qui garde la trace des attributs qui ont été parsés. Et donc j'imagine qu'on peut parser d'autres choses. Et si on peut parser d'autres choses, eh bien on peut peut-être injecter du code. Est-ce qu'il y a une page qui nous explique le code? On voit rien comme ça. On va essayer de le présenter de manière intelligible. Donc là, on a un code en C. On va pas le lire parce que c'est un peu ardu. Mais donc, on a une fonction match attribute. T'es what? C'est une structure ou c'est une fonction? Qui prend des arguments, un pointeur, donc ça c'est une string line. Pareil, une string source, un entier ligne numéro et des arguments en plus, flags. Ça c'est le code dans Git. Ah, ça c'est le code dans Git. Et donc là, il nous dit, en fait, dans l'attribut num underscore ATR, il gère la place que va prendre la mémoire,
Donc il est déclaré au tout début et l'utiliser à la fin dans une boucle. Et voilà, il y a une boucle qui fait qu'il passe. Et en fait, on peut. On peut faire déborder cet entier. On peut lui donner une valeur trop grande pour qu'il se mette à parser. Pour qu'il se mette à parser des trucs en plus. Et comme la variable, c'est un entier. Un entier signé à un entier signé. Une ligne d'attributs trop grande, ça peut faire un overflow. Ah non, c'est l'inverse. Du coup, je vous ai dit une bêtise, c'est pas qu'on va faire trop de parsing. En gros, lorsqu'on fait. Donc là, c'est bien du integer overflow. C'est-à-dire lorsque c'est codé comme un entier signé, eh bien en fait, comment dire, le bit tout à gauche, il code le signe. Et donc, typiquement, si vous avez un chiffre trop grand, il va être interprété comme un chiffre négatif. Et donc on va. Et donc alors c'est pas. J'ai pas bien compris. Si c'est un truc négatif, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que du coup ça. Ça termine jamais? J'essaie juste de comprendre ça et après on va passer à la suite. Je lis le truc avec vous en live, hein. D'ailleurs, je vois pas bien vos commentaires. Hop. C'est cool, je suis valide de mes choix musicaux. Alors là, il nous montre un POC où le truc devient moins 2. Donc c'est l'inverse, ok. Donc là on a un POC qui fait que le nombre d'arguments est tellement grand que il va être stocké sur un entier signé. Et en fait il va être stocké comme un entier non signé, comment dire, en entrée. Mais en sortie il va être compris comme s'il était signé. Donc en gros un chiffre très très grand avec un 1, j'en sais rien, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Et bien en fait comme il y a un 1 tout à gauche, c'est tellement grand que ça va être compris comme un entier négatif. Et là, typiquement, ils ont fait le test avec moins 2. Et comme c'est moins 2, eh bien, on va allouer une zone mémoire de 2 octets. Sauf qu'on va écrire sur beaucoup plus d'octets que ça. Donc en fait, on va déborder dans la pile. Et le fait de déborder dans la pile, potentiellement, ça nous permet d'exécuter du code. Parce que ça nous permet de maîtriser, par exemple, quel est le code qui va être exécuté ensuite. C'est pas comme la stack où on peut maîtriser où aller lire le code qui va être exécuté, mais en fait on peut directement modifier du code qui sera exécuté dans la suite. Voilà une petite vulnérabilité bien sympa. Je vous propose de parler de ChatGPT avant de parler de sudo. On va parler de ChatGPT et après on va faire toutes les rubriques. Si cela vous convient. Offset. Grédard, tu dis offset parce que. Tu dirais que c'est ça qui va nous permettre d'écrire l'écriture dans la pile. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de pawn. Il faudrait en refaire. On pourrait essayer de refaire en stream. Je voulais vous parler de ChatGPT. Je m'hydrate. Un article du Times qui nous dit. Je vais vous résumer l'article parce qu'il est assez long et il est en anglais, donc je vais essayer de vous le résumer
pour que ce soit un peu plus agréable. L'article du Times nous dit donc que il y avait des travailleurs kényans qui étaient payés 2 euros de l'heure pour rendre ChatGPT plus sûr. Alors, vous savez, surtout si vous avez vu ma vidéo sur l'IA, que l'IA, c'est juste automatiser des biais. En fait, créer des biais et les automatiser. Donc, ce que fait ChatGPT, c'est que quand il y a des articles qui disent « Ah, ChatGPT comprend des choses, il comprend que je fais machin », ChatGPT comprend rien du tout. Hein. ChatGPT est juste, prédit juste ce que serait une réponse plausible à votre question en fonction de ce qu'elle a lu sur Internet. Sauf que tout ça, évidemment, il y a des biais énormes. J'en ai parlé dans une vidéo déjà. Si vous suivez un petit peu les vidéos de Lé, de la chaîne YouTube Science for All, vous le savez très bien. Pareil, Monsieur Phi a fait une vidéo d'ailleurs où j'apparais un moment avec Lé, où ils en parlaient. Donc c'est un gros sujet. Et ChatGPT n'a pas été faite toute seule. Pour être moins toxique, donc pour éviter ces biais, OpenAI, ils ont outsourcé du travail. Pour 2 $, je le désécure plutôt, ouais. Alors, attends, on va lire l'article. Attends, on va voir la suite. Donc, OpenAI a outsourcé du travail au Kenya en payant des travailleurs moins de 2 euros par heure. Et ChatGPT prédécesseur, GPT-3, avait. Mais en fait, il pouvait facilement être violent, raciste, sexiste, etc. Ce qui n'est pas du tout surprenant. Parce que, en fait, ça a été entraîné sur l'intégralité de l'Internet mondial. Et donc, vous avez. Vous avez excellente qualité, d'ailleurs, tout à fait, bien sûr. Moi, je recommande chaudement de regarder la chaîne de Lé. Évidemment qu'un algorithme qui fait juste prédire ce que pourrait être votre prochaine phrase à partir de ce qu'il voit sur Internet, bah, sur Internet, vous avez énormément de racisme, de sexisme, de violence. Et même ChatGPT n'est même pas capable, lorsqu'il est entraîné, de comprendre si le texte qu'on lui a filé, est-ce que c'est. Comment dire? Est-ce que c'est un truc parodique? Est-ce que c'est une fiction? Est-ce que c'est un truc, une critique par l'ironie? ChatGPT, évidemment, est incapable de comprendre tout ça. Et c'est comme ça que, je sais pas si vous vous souvenez, Microsoft avait fait un tweet, un bot sur Twitter qui répondait, qui s'appelait Tay Tweets. Et Tay était devenu nazi en 24 heures. Et donc, évidemment, c'est impossible de filtrer toute la toxicité. Des centaines d'humains auraient dû prendre des dizaines d'années pour faire le tri. Mais donc, OpenAI, évidemment, ce qu'ils ont fait, c'est ils ont imité Facebook. Ils ont fait une labellisation automatique du contenu. Et pour labelliser, bah, il faut forcément, à un moment ou à un autre, qu'il y ait des gens qui disent oui c'est toxique, non c'est pas toxique. Et c'est là où ils ont employé, ils sont bien employés donc une entreprise qui s'appelle Sama. Et donc ils ont envoyé des dizaines de milliers de bouts de données à une entreprise qui s'appelle Sama à partir de novembre 2021. Et tout ça venait des pires endroits d'Internet. Beaucoup décrivaient des situations comme de l'abus sexuel d'enfants, du meurtre, du suicide, de la torture, de l'automutilation et de l'inceste. Trigger warning pour tout l'article. L'article, on va évoquer des sujets qui sont évidemment très violents, comme de l'abus sexuel. C'est pas la vie de Tournesol. Quelle est la vie de Tournesol? Salut, Elmo Demo.
Micode parlait aussi d'un underscore qui est la galère des structures de contrôle de ces IA. Il n'y a pas de structure de contrôle de ces IA, il n'y a pas de structure de contrôle. C'est tout le principe d'une IA. C'est qu'en fait, tu l'entraînes et tu l'entraînes sur un jeu de données. Il faut labelliser les jeux de données. Et en fait, je lis l'article, mais je ferai un petit commentaire après. Parce que si vous voulez aller plus loin, on peut aller beaucoup plus loin. Et donc, on vous raconte l'histoire. Le travail de forcené que fournissent le. Ah, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Je t'expliquerai pourquoi. On voit plus les messages sur YouTube, je crois, tu as raison. Pour une raison obscure, je dois redémarrer régulièrement le bot sur YouTube. Donc, bah, je le fais. Chaque semaine, les bots progressent. Et je suis en train d'ailleurs de faire un bot avec ChatGPT, le fameux, où on pourrait poser des questions à ChatGPT et ça me répond. Et ça vous répond, mais en audio et moi aussi j'entends. Ça ne sert à rien, mais ce serait marrant à faire. On va essayer de faire ça peut-être. Peut-être que je le coderai en live. Donc, Sama. Sama dit qu'ils font de l'éthique, de l'intelligence artificielle éthique. Et ils disent ils ont aidé plus de 50 000 personnes à sortir de la pauvreté. Retenez bien ce point. Ok, on va en parler. Retenez bien ce point. Donc, les data labelleurs, ce qu'on pourrait dire, je crois qu'on peut dire data cruncher, c'est la même chose. Je ne sais pas s'il y a des experts en IA, dites-moi si c'est la même chose. Mais donc, tous ces travailleurs de la donnée employés par Sama étaient payés entre 1,3 $ ou 2 $ par heure. Et Time a eu accès à des centaines de pages de documents internes entre Sama et OpenAI. Et en gros, ces utilisateurs, ces travailleurs, étaient exposés du coup à des choses hyper graphiques. Notamment, il fallait classifier les images les plus violentes, enfin les textes les plus violents. Et donc, il y avait des textes qui décrivaient de la violence, du contenu sexuel. Et puis surtout, enfin, qui décrivait très précisément. Donc évidemment, c'est pas très safe, c'est pas très bon de passer sa journée à lire ça. Et évidemment, voilà, les gens, les investisseurs payent des milliers, des milliards dans le secteur de l'intelligence artificielle. Mais en réalité, toute l'intelligence artificielle repose sur des travailleurs sous-payés en Afrique, comme ceux de Sama. Et donc, ça m'a géré. Et donc, assez vite, l'article raconte l'histoire d'un travailleur qui arrêtait pas de revoir dans sa tête, d'avoir des visions récurrentes après avoir vu un article, après avoir lu un texte très très détaillé sur un homme qui avait une relation sexuelle avec un animal devant un enfant. Et donc, il dit c'était de la torture. Et en fait, le problème, c'est que tout le reste de la semaine, c'est comme ça. Et donc, il continue. Et en fait, ce genre d'images lui reviennent. Et il revient dans sa tête. Et ça lui reste dans la tête. Et alors, on décrit un peu comment marche Sama. Mais en gros, ils disent que Sama a dit, vous vous inquiétez pas, vous aurez accès à des psychologues, etc. En fait, les travailleurs se sont plaints parce que les psychologues n'étaient pas joignables. En fait, certains employés, parfois, ils avaient accès que à des sessions de groupe. Ils ne pouvaient pas être seul à seul avec le psychologue, ce qui est quand même très important pour le travail d'un psychologue. Et OpenAI payait 12,50 $ de l'heure à Sama pour le travail. Alors qu'en fait, Sama était les travailleurs étaient payés que 2 $ de l'heure. Je lis la fin d'article. À some point, à un moment, ils sont mis à changer on n'a pas fini. À un moment, ils sont mis à changer de business. OpenAI leur a demandé de labelliser des images. Parce que vous savez que DALL-E, par exemple, en fait, si vous dites photo d'un homme j'en sais rien, qui marche dans la rue, eh bien, a priori, DALL-E va vous donner un résultat très correct. Il va pas vous mettre un mec à poil, il va éviter.
Et en fait, bah, si DALL-E vous donne des résultats corrects, c'est parce qu'il y a des gens qui ont filtré des images qui ne voulaient pas être dans le jeu de données que DALL-E utilise pour générer vos images. Donc il a fallu payer des gens comme ça, des travailleurs kényans, pour filtrer toutes ces images graphiques et violentes. Et donc à un moment, ils ont demandé à Sama de faire la labellisation d'images. Et là, Sama a dit. Je suis un peu trop loin dans l'image. Donc là, c'est ce que raconte cette partie-là de l'article. Et à ce moment-là, Sama a dû labelliser des images avec des choses très visuelles sur de la mort, de la violence, des dommages physiques importants, des blessures, de l'abus sexuel d'enfants. Et donc dans les semaines qui suivent, Sama a tout de suite arrêté tout son travail avec OpenAI en disant c'est plus possible, on ne peut pas bosser avec eux. Voilà. Il y avait une autre personne là typiquement, quelqu'un d'autre qui parle au Times et qui dit moi je j'en peux moi je Typiquement, il y avait une image il y avait un texte sur une histoire explicite, comment Batman et Robin, comment Robin se faisait en gros violer par un méchant. Et en fait, comme le truc n'était pas clairement dit dans le début, que c'était pas que cette que rapport sexuel n'était pas consenti, et ben OpenAI a demandé beaucoup plus de précision aux travailleurs. Sur ça et ce qui s'apparente à du harcèlement alors que le travailleur n'est peut-être pas forcément et OpenAI en fait a jamais répondu et le travailleur a demandé comment il devait gérer et le travailleur a jamais répondu et OpenAI a jamais répondu. Voilà. Tout ça est assez, enfin ça c'est assez anecdotique mais ça dénote quelque chose d'assez très important. Qui est en fait, c'est ce qu'on appelle le prolétariat, le travail du clic. Et donc, c'était Amine qui disait on pourrait partager, comparer avec Accenture, oui et non. Oui et non. En fait, c'est une notion qui. La notion de prolétariat du clic, c'est une notion particulière. Parce que, tu vois, typiquement, si tu compares avec Accenture, ils sont pas payés à l'acte, au geste. Là, typiquement, là, les gens étaient payés à l'heure, mais en fait, de manière générale, l'industrie de l'intelligence artificielle s'appuie sur des gens qui sont payés au clic, pour dire violent, pas violent, et ils cliquent toute la journée. Et donc, c'est pas la même chose que créer du code. Effectivement, t'as de l'exploitation aussi, typiquement dans des boîtes de code comme ça, mais c'est pas. Du prolétariat de la même manière, c'est pas comme un ouvrier sur une chaîne qui fait toujours le même geste, et ben là tu fais toujours le violent, pas violent, violent, pas violent. Et en plus, il y a une notion dans l'industrie nucléaire qui s'appelle une dose mule, un mulet à dose en gros, qui dit que tu as des travailleurs que tu ne peux employer que tant qu'ils n'ont pas été exposés à une certaine dose de radiation. Et donc certains vont être exposés à cette dose en quelques années, d'autres en quelques heures. Typiquement, si tu prends un contractuel juste pour faire une opération de vidange de la cuve et qui doit aller dans la cuve pour la vider, dans une cuve nucléaire, bah, tu peux pas le réemployer une deuxième fois parce que ça y est, il a été exposé à trop de radioactivité et tu peux pas le réemployer. Très cynique, mais en fait là c'est un peu la même chose. Ça permet qu'on ait tous à s'émerveiller devant l'IA, etc. Mais en réalité, pour que nous on n'ait pas des trucs violents, bah, en fait il y a tous ces gens-là qui sont exposés à tout ça et qui sont en fait des deux mules qui sont exposés à de la violence jusqu'à ce qu'ils craquent pour que nous on ne le soit pas. Et en fait, l'argument très très néolibéral, hein, est de dire, mais regardez, ça sort des gens de la pauvreté.
le Times, la cité, vous avez vu, qui dit, regardez, on sort des gens de la pauvreté, donc en fait c'est bien pour eux, on sort de la pauvreté, mais on détruit leur santé mentale, mais c'est bien pour eux parce qu'on va les sortir de la pauvreté en les payant 1 dollar 3. Si le sujet vous intéresse, moi cette histoire ne me surprend mais tellement pas. Si le sujet vous intéresse, je vous invite à aller regarder le blog d'Antonio Casilli. Je mettrai son compte Twitter aussi. Casilli.fr. Donc comme l'indique Wikipédia, c'est un professeur de sociologie à Télécom Paris. Moi, je n'ai pas eu la chance de l'avoir en tant que prof, mais en fait, très vite, dès que tu fais de la sociologie du numérique, tu retombes assez vite sur ses travaux. Et en fait, il dit que c'est absolument indivisible de l'intelligence artificielle. En fait, pour que ça existe, eh bien, il faut que tu aies tout un travail de traitement de la donnée. Et ce travail ne peut être que répétitif, bête et brutal, mais ne peut être que fait par des gens humains. Et donc il a fait, là typiquement, je vous montre sur cette page, il a fait un travail, une émission avec Arte, dans laquelle il raconte les... Mais alors, je suis pas sûr, moi, pour moi, je pense... Donc il a fait une émission avec Arte qui montre les travailleurs invisibles du clic. Amine, tu dis, je comprends ce que tu veux dire, mais c'est très similaire. Facebook, en fin de compte, a dû verser plus de 50 millions de dollars pour pouvoir gérer le scandale. Mais alors, est-ce que tu peux me partager un lien? Parce que moi, du coup, quand tu me dis Accenture, je pensais que tu parlais de gens qui font du code. Est-ce que tu me parles des modérateurs? Si tu me parles des modérateurs, je suis d'accord, c'est la même chose. Je suis d'accord. Mais je pensais que tu me parlais de gens qui faisaient du code. Donc, si tu as un lien, je suis preneur. Et donc, pourquoi je vous parle de ça? C'est que notamment, dans un des plus vieux articles de son blog, il parlait de l'histoire du Turc mécanique. Et moi, c'est une histoire qui me fascine, qui me choque, tellement elle est actuelle et cynique. Je vous raconte l'histoire. Parce que moi, ça me bute. Je l'ai raconté sur le stream de Nicolas, de Lancelot du Lag. Il n'y a pas de date. Il n'y a pas de date. Paf, pif, paf, pouf. Parce que là, on est sur son blog, donc il ne parle pas forcément que de ce sujet de recherche. 2 mai 2016. Quand est-ce que j'ai dit 2008. Je vais chercher. Est-ce qu'il y a une fonction de recherche? Pourquoi je vous parle du Turc mécanique? Je vous raconte rapidement l'histoire. Ah, attendez. L'histoire du Turc mécanique, moi, ça, c'est un truc qui. Enfin, vraiment, ça me choque toujours quand j'en parle. C'est à la cour de, je crois que c'était Louis XIV. Non, je parle de modération. Ok, bah, je suis d'accord que la modération, c'est la même chose. Je suis d'accord que la modération, c'est la même chose. L'histoire du Turc mécanique, en gros, à Louis XIV, on lui a amené un automate qui jouait du clavecin. Qui était un homme en habit traditionnel turc, mais c'est un automate et il jouait très bien du clavecin et ça fascinait tout le monde. Il se disait super automate qui joue très bien. Il se disait que l'automate jouait merveilleusement bien du clavecin, etc. Et puis au bout d'un moment, quelqu'un a ouvert la boîte de la machinerie de l'automate et en fait, manque de bol, il y avait quelqu'un dedans. Il y avait quelqu'un, je crois, atteint de nanisme, qui était dans la boîte de l'automate, et en fait qui jouait à la place de l'automate. Et donc, supercherie complète. On se rend compte que la machine qu'on avait vendue comme un truc magique était en fait quelqu'un de caché, était en fait du travail humain caché. Et alors c'est marrant parce que c'est un peu une belle métaphore pour l'intelligence artificielle. Parce que vu qu'il y a tous ces gens
qui labellise les données, eh bien, ça fait vraiment pour que les riches utilisent l'intelligence artificielle. En réalité, c'est des pauvres qui travaillent et on invisibilise leur travail en disant, regardez, c'est de la machine, c'est de l'algorithme, etc. Non, c'est pas que l'algorithme, c'est du travail humain. En fait, c'est des milliers d'heures de travail humain et tu as l'impression que ta machine te répond comme si elle était humaine. En réalité, elle n'est pas humaine. Elle a juste. C'est juste la, ces machines, c'est juste la résultante de milliers d'heures de travail humain. Et c'est une belle métaphore hein, de l'intelligence artificielle. Sauf que regardez. Il y a un site d'Amazon qui s'appelle Le Turc mécanique d'Amazon. Qu'est-ce que c'est que ce site? Il vous permet d'être payé contre du travail. En gros, on vous met deux phrases et vous devez labelliser laquelle est la moins méchante. On vous met deux images et vous devez labelliser pour reconnaître un piéton, une voiture, etc. Et vous êtes payé 20 centimes à chaque clic. Et vous voyez, New Feature. Ça vous permet de gérer votre force de travail de labellisation. Donc c'est trop bien quoi. Amazon vend sa capacité en tant que plateforme à mettre en relation des gens qui sont pauvres et qui ont besoin de passer des heures à faire du clic, à être payé 10 centimes par clic, avec des gens qui ont besoin de gérer de gérer leur jeu de données, de nettoyer ce jeu de données. Et donc vous avez entendu forcément parler des histoires de Alexa. Où en fait il y a des gens qui écoutent les conversations, pas forcément en temps réel, hein, mais juste pour être sûr de la labellisation des trucs. Que lorsque vous dites Alexa play Despacito, que Alexa comprend bien que vous lui demandez de jouer Despacito, ben, en fait derrière il y a des hommes. Donc moi je considère que l'intelligence artificielle c'est un mythe, c'est l'intelligence humaine. Qui est rendu invisible, qui est invisibilisé par le culte, par un certain récit des algorithmes. Les pauvres sont faits pour être très pauvres et les riches, très riches, à méditer. Tout à fait, c'est l'idée du truc. Salut Wakid, bienvenue. Aucun souci, pas de mot dans. Personne ne va te demander de mettre un mot dans ton carnet de liaison. Et donc moi, je trouve ça absolument cynique que non seulement c'est une métaphore terrible. De l'intelligence artificielle, mais en plus Amazon assume cette métaphore à fond en disant mais regardez, on va vous permettre de sous-payer des gens pour traiter vos jeux de données et après on va faire passer ça nous en tant qu'utilisateurs pour un progrès absolu en disant cette intelligence artificielle marche super bien, etc. En réalité non, c'est des milliers d'heures de travail humain. Voilà. Je l'ai fait du coup, donc c'est la deuxième partie qui arrivera bientôt de ma vidéo sur l'intelligence artificielle. Dans la première partie, j'ai dit que l'intelligence artificielle, c'était pas d'intelligence. Et dans la deuxième partie, je vais dire qu'en fait, elle n'était pas artificielle non plus. Donc, y aura une vidéo là-dessus, sur le sujet bientôt. Voilà pour ce petit sujet. Je vous propose de passer aux rubriques habituelles. Un peu plus fun. Parce que là, on a lu un article qui était pas, du coup, pour résumer pour Wakid, on a lu un article sur les travailleurs qui faisaient le tri des données violentes pour entraîner ChatGPT et comment ces travailleurs étaient exploités. Et c'était un article qui n'était pas facile à lire du tout parce que il parlait de beaucoup de choses très violentes auxquelles ces travailleurs étaient exposés. Alors, je me suis pété le poignet, faut bien. Est-ce qu'il y a des échanges de crypto-monnaies qui ont été piratés? Oui, il y en a eu deux qui ont été piratés, Midas Capital et Thoreum Finance. Et en plus de ça, on a l'échange de crypto-monnaies Genesis qui a fait faillite cette semaine, probablement lié à la faillite de FTX et de comment s'appelait l'autre? J'ai oublié le nom de l'autre. Vous me rappellerez si vous avez bien suivi les matinales précédentes. Moi aussi, j'outsource le travail. Les mèmes de la semaine.
Voilà, ça c'est un vieux mème d'un certain temps. Quelqu'un qui dit à T-Mobile disait que les mots de passe étaient stockés en clair. Et la personne disait qu'est-ce qui se passe si votre infrastructure est compromise et que le mot de passe de tout le monde est exposé de manière non chiffrée. Et T-Mobile répond et qu'est-ce qui se passe si ça ne se réalise pas parce que notre sécurité est beaucoup trop forte. Plot twist. 37 millions de comptes dans la nature cette semaine. Voilà, pour T-Mobile. Ça, je vous l'ai montré tout à l'heure. Je te fais le contre-vert. Les meilleures agences de renseignement du monde, on a la CIA. On a le MI6, on a le FSB, enfin KGB, et on a évidemment le forum de jeux vidéo War Thunder, où les gens se mettent à échanger des documents top secret sur les tanks. Ça, c'est sur une actualité, pas de cette semaine, mais de la semaine dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a parlé de la poste anglaise qui s'était fait pirater, qui est Royal Mail, et c'était pas clair si Logbit l'avait fait ou non. Et on a cette image. Est-ce que c'est vous qui avez hacké Royal Mail? Et il y a évidemment le Logbit qui dit oui. C'était pas clair, rappelez-vous, parce qu'en fait c'était un des affiliés qui l'avait fait, mais en fait dans l'organisation interne de Logbit, eh bien c'est pas forcément clair. Est-ce que je peux faire ça? Non, je peux pas. Ok. La suite. Fun fact, j'ai un pote qui a fait ça à la télé. Il participait à une émission question. C'est quoi? C'est ouais, question pour un champion, je crois. Une des premières émissions animées par Samuel Etienne. Et Samuel Etienne dit ah, vous êtes tous les deux dans la même école, du coup vous êtes copains. Et le gars répond oui, au même moment mon pote fait non, en direct. Donc moment assez gold pour nous tous qui regardons. Ouais, un tweet c'est pas un meme, ce tweet c'est pas un meme, c'est un hot take de quelqu'un qui dit le moteur de recherche de Google marche plus très bien, et en fait sont mis à prioriser les vendeurs de pubs. Et donc quand les pubs sont au-dessus de tout ce que tu cherches, c'est chiant. Mais en plus, quand ça sert à la distribution de malware, ça devient vraiment grave. Et à quel moment ton équipe de sécurité de Google passe son temps à chercher des zero day hyper spécifiques qui seront jamais exploités dans la vraie vie, plutôt que de protéger le cœur de ton business? Je suis assez d'accord avec cet article, même si je n'utilise pas Google. Ensuite, un petit article qui nous dit, un petit échange sur Twitter, qui raconte que Chick-fil-A, donc qui est une. T'as partagé le lien? Quel lien? Aïe! Envoie-le sur Discord. Je vais regarder. Si tu es sur le Discord de la chaîne. Donc je vais vous parler de Chick-fil-A. Chick-fil-A, donc c'est un fast-food pardon, américain. Et là, on a un artiste qui dit que, en gros, ils sont inspirés le F-16 américain. Utilise une gestion de Kubernetes qui est inspirée de la gestion par Chick-fil-A. Fun fact. Dans le genre what the fuck? Ah ouais, je voulais vous lire un article de Numérama. On va le lire quand même. On va déborder un peu, c'est pas grave. Je pense que pour les prochaines, en réalité, on prendra 2 heures pour la matinale et on commencera plus tôt. Paf, pif, paf, pouf. Où sont mes Marines?
Marines. Hop. Je vais vous montrer à minima l'article pour vous montrer la photo. En gros, c'était un algo pour un espèce de drone, un robot autonome. Et en fait, il y a un article de The Economist, en gros, qui montrait une intelligence artificielle qui devait détecter les gens et des Marines. Et les concepteurs de l'intelligence artificielle ont mis au défi les Marines de s'approcher d'intelligence artificielle sans se faire repérer. Et en fait, ils y sont arrivés dans 100% des cas. Ils ont juste utilisé des techniques absurdes. Il y en a un qui a marché à cloche-pied. Et en fait, comme c'est à cloche-pied, bah, l'intelligence artificielle n'a pas compris que c'était un humain. Il y en a un autre qui s'est mis dans une boîte en carton. Et en fait, et il raconte que le mec se marre. Donc exactement comme dans Metal Gear Solid. Exactement ça, si vous voulez. Et le mec s'est marré pendant toute son approche, mais l'intelligence artificielle s'est pas rendu compte que c'était un homme et pas une boîte en carton. Alors que pour un humain, ce serait évident. En fait, pour une IA, c'est pas du tout évident parce qu'elle a pas été entraînée pour prendre ce cas en compte. Donc c'est tout bête. Et vous savez que par exemple, typiquement, en mettant juste des traits sur le visage, ça va suffire à camoufler, par exemple, et l'intelligence, une IA va pas forcément reconnaître un visage. Donc, n'hésitez pas à aller voir l'article de Numérama. Numérama, toujours du journalisme de qualité. Donc, 8 Marines, aucun n'a été détecté. Les Marines sont pas fait que ça. Il y en a qui ont fait des sauts périlleux sur 300 mètres, aucune détection. Un qui s'est carrément déguisé en sapin pour tromper l'IA. En fait, elle a été détectée, voilà, pour détecter des humains en train de marcher. Exactement ma conclusion. J'ai vu qu'il y avait un message dans le Discord. C'est toi, Amine. Hop. On va aller voir ton... Je te fais confiance aveuglément. On va aller voir. Je repartage ton article. Dans tous les cas, je vous invite à... J'ai mis la source de l'article du Times, qui est la source primaire. Hein. C'est une enquête du Times. Donc j'essaie au maximum de vous mettre plutôt des sources primaires. Cette source est sur Discord et sur la description de la vidéo YouTube. Intelligence artificielle, c'est un bien grand mot. Et même, j'irai plus loin que toi, Vlad Gallus. Je pense que artificiel est un bien grand mot aussi. Bienvenue d'ailleurs. Bienvenue à toi sur ce stream. Ok, il est 59. On est large. On est large. Je voulais vous partager aussi un autre truc what the fuck. Je voulais vous partager l'utilisation de TikTok comme un C2. On connaissait Virus Total. Voici un C2 primaire sur TikTok. En gros, vous voyez, là, on a un utilisateur qui dit « Check my profile on this page » et il met une URL. Et en fait, l'idée, c'est que vous faites infecter par un malware. Le malware va sur TikTok, il fait une requête à TikTok, il regarde la description et il va chercher la suite du malware à cette adresse IP-là. Donc, c'est pas à proprement parler un C2, c'est plutôt un stager. Voilà pour cette info, mais c'est assez fun, c'est toujours fun d'utiliser des trucs absurdes comme Stager ou comme C2. Typiquement, j'avais raconté l'histoire d'un mec qui avait utilisé Virus Total, les commentaires sur Virus Total, comme un malware. Comme un C2, pour le coup. Et un vrai C2, pour le coup. L'article du Time sur Accenture FB est cité... Ah! J'ai déjà regardé trop d'articles.
Attention, on va mettre notre casquette de pirate informatique et se mettre en navigation privée. Ah, c'est avec l'IP. Bon. Mais en fait, du coup, je j'ai aucun mal à imaginer que ça arrive tout le temps. En fait, même toute la modération de Facebook. Vous savez qu'il y a eu, typiquement, si vous regardez la chaîne de lait, eh bien, vous savez que Facebook a eu beaucoup de problèmes, par exemple, en Birmanie, par exemple, dans des pays d'Asie du Sud-Est, où, en fait, Facebook sert un peu d'opérateur téléphonique. C'est à la fois un réseau social, un opérateur téléphonique, un fournisseur d'accès à Internet. En réalité, c'est tout. Et en fait, ils sous-traitent complètement la modération à des entreprises qui sont pas du tout dimensionnées pour ça. Alors que tout le monde utilise Facebook là-bas, ils ont aucun modérateur qui parle la langue. Et inversement, si vous regardez typiquement les travaux de Lé ou de Antonio Casilli, et vous voyez que ça arrive tout le temps en fait. Et que pour faire la modération, tous les gros réseaux sociaux, les grosses entreprises d'IA utilisent des entreprises. Ils ne le font pas directement, hein, pour pas être attaqués ou quoi. Ils le font toujours sous-traiter et c'est toujours des tafs horribles. Parce qu'en fait, tu fais face à de la modération de trucs horribles que tu n'aurais pas envie de voir. Il y avait une vidéo de Brut, je ne sais pas si vous voyez Bertrand Huska. On pense qu'on veut de Brut, mais il a fait une vidéo là-dessus que j'ai trouvé très cool parce que je m'attendais pas à ce qu'il aborde des sujets un sujet aussi aussi grave et aussi peu connu. Ce que je vais faire pour ton article du coup, Amine, c'est que je vous le partage dans le chat. Hop, voilà. Comme ça, pour aller plus loin. Nous, on va passer à un autre sujet, peut-être. Surtout que je voulais faire au moins un write-up avec vous. Voici tous les write-ups qu'on peut faire cette semaine. On a beaucoup de choses, je voulais en voir au moins un, parce que là, on a, à part le write-up de la vulnérabilité Git, on n'a pas parlé de trucs très techniques. Donc dites-moi ce que vous voudriez voir. J'ai pas lu le AppLocker, j'ai pas lu la vulnérabilité Teams, j'ai pas lu le Docker Escape. Les deux premiers sont très cool. Et si c'est moi qui décide, à ce moment-là, on va peut-être aller voir celui de Azure AD. Non, j'ai pas lu. Il y a aussi la vulnérabilité par l'attaque Side Channel. Si ça vous intéresse, c'est toujours assez marrant les attaques Side Channel. Je vous montre la vulnérabilité Side Channel aussi, peut-être le temps qu'on ait plus de messages dans le chat. Ah non, c'est sur le cert. Ok, là typiquement c'est une side channel assez classique, c'est une attaque par timing. Donc en gros, il y a une fonction string compare qui en fait va retourner un résultat en fonction de la comparaison des octets des deux chaînes de caractères. Et en fait, plus la fonction prend du temps, plus vous savez que vous avez un nombre de caractères similaires important. Donc ça peut vous aider à faire un brute force où en fait vous testez octet, voire bit par bit, octet par octet si c'est le bon caractère. Et ça statistiquement, ça réduit, au lieu d'avoir au lieu que ce soit en grand taux de n puissance quelque chose,
n puissance la taille du truc, vous êtes en grand taux de la taille de la clé factorielle. Donc ça réduit beaucoup les possibilités. C'est un calcul de coin de table, je suis pas sûr de mon calcul. Ne le prenez pas comme argent contre. Élise Lucet avait fait un bon reportage là-dessus, je crois que c'était sur Cache Investigation, ok. Je regarde pas trop Élise Lucet, mais c'est toujours bon à prendre. C'est toujours bon à prendre. Oui, je crois que j'en ai entendu parler en plus. Si ça vous va, bah, je vous propose de parler d'Azur AD. Et après, on va s'arrêter là. On va faire une méditation après et on va s'arrêter là. En août 2020, Secureworks, les chercheurs de Secureworks ont trouvé une vulnérabilité dans Azure Active Directory. Qui permettait de garder accès à une application SAML après que le droit soit révoqué. En utilisant une application avec un accès dérobé qui a un accès constant à l'application SAML, un utilisateur malveillant pourrait demander des jetons SAML. Même s'ils n'en ont plus le droit, ils peuvent demander des jetons valides qui leur donneraient accès à certaines ressources. Et donc, il peut gagner en persistance. Donc la vulnérabilité, c'est pas une attaque, c'est un moyen de persistance. Salut Vladgalus. J'espère que ton passage sur le stream était cool et bonne journée à toi. Donc, on va regarder comment fonctionne l'attaque. Azure AD offre l'option d'avoir du single sign-on configuré avec du SAML pour plusieurs. Pour plusieurs applications, donc c'est les fameux Azure Service. Donc il faut que les utilisateurs soient assignés à une application avant qu'ils aient le droit de l'utiliser, c'est tout le principe du SAML. Donc pour toutes cette vulnérabilité, il faut cibler une application qui utilise uniquement les droits qui utilisent des jetons SAML. Et en gros, l'application ne vérifie pas que l'utilisateur a le droit. En gros, si on regarde l'image. Voilà. Ok, on a un utilisateur malveillant qui envoie une demande d'accès pour l'application backdoorée. Ça peut être n'importe quoi. Si je reçois, c'est une authentification genre hôte. Ouais, c'est vraiment horrible. Je connais plein de gens au Maroc qui travaillent aussi. Tu réponds à quel commentaire de Wicked? Est-ce que je vois tous les commentaires? Je suis perdu. Il y a peut-être des commentaires que je vois pas de YouTube. Donc, on disait, on a un utilisateur malveillant qui demande un jeton. Un jeton SAML. Pardon, qui s'authentifie via hôte. Ouais, qui tu dis, il sous-traite beaucoup au Maroc aussi. J'ai un pote qui bossait pour la modération Facebook et c'était horrible ce qu'il voit. Ouais, clairement. Clairement. Et moi, déjà, il y a une répartition. La gestion de la sous-traitance me pose problème. Et évidemment, le travail lui-même pose problème aussi. Évidemment. Et c'est pour ça que je suis très content que Brut, Élise Lucet et des médias un peu plus connus en parlent. Parce que. Kazili et Lé, ça fait depuis des années qu'ils en parlent et qu'ils sont un peu tout seuls à crier dans le vide. Et c'est cool qu'on commence à en parler.
Idéalement, j'espère qu'à terme, on arrivera peut-être potentiellement à réguler ou à mettre des règles sur qui forcent les plateformes à prendre soin de la modération. Mais en fait, tout ça, c'est le problème de la modération est toujours complexe. C'est pour ça que Mastodon est quand même pas mal, hein. Tout le monde dit bon, Mastodon, ça y est, c'est déjà mort. Mais en fait, Mastodon, chaque instance est différente et chaque instance a ses propres modérateurs et gère d'une manière différente. Et je trouve ça assez intéressant d'avoir une modération décentralisée. J'avais pas vu ton commentaire, Wicked, ce qui m'embête. Ah si, là. Tout bien. Je l'ai pas vu à cause des bots. Donc, notre question, Samuel. On revient sur Samuel. On a un utilisateur qui demande un jeton d'accès, qui reçoit un jeton d'accès, donc c'est du JSON, via OAuth. L'utilisateur accède à l'application en lui partageant ce jeton. C'est comme ça que fonctionne OAuth. Cette application fonctionne avec du SAML, et donc elle demande à Azure AD un jeton SAML, un jeton SAML pour cet utilisateur, pour cette application, grâce au jeton OAuth 2. Elle récupère le jeton SAML, elle le renvoie à l'utilisateur. Et en fait, ce que nous dit cette vulnérabilité, c'est que là, si vous voyez, le jeton SAML, l'utilisateur là, et en fait, il peut utiliser ce jeton avec une autre application. Parce qu'il n'y a pas de vérification faite une fois qu'il se connecte avec avec ce jeton SAML. Voilà, la vulnérabilité, elle est là. Et donc, ce que nous dit l'article par la suite, c'est que donc il décrit les différentes étapes. Attendez, je vais lire ça. L'utilisateur requête un jeton d'accès Azure AD. L'application je requête un jeton SAML. Et ce jeton. Et ce jeton bypass la vérification de l'assignement de l'utilisateur. Voilà. Cette vulnérabilité, elle était exploitable de manière assez triviale. Mais en même temps, l'utilisateur malveillant devait avoir une certaine compréhension des applications, du fonctionnement des applications Azure, leur configuration. L'utilisateur devait backdoorer aussi une application qu'il possède, mais ce qui est largement faisable si vous avez un compte dans un environnement très vaste, à partir du moment où vous avez le droit de créer par exemple votre propre application. Mais ils mettent ça dans les prérequis de l'exploitation. En réalité, ce n'est pas des prérequis. Si les prérequis dépendent de ta compréhension du système, ce n'est pas un prérequis, tu n'es pas protégé. Ils ont reporté cette vulnérabilité à Microsoft le 4 août. Le 7 octobre, ils ont donné plus d'informations. Microsoft a confirmé le 10 octobre. Ils leur ont donné statut d'important. Et le 25 octobre, ils ont déployé les mises à jour. Ce qui est intéressant, et on a vu la même chose dans l'article sur la CSRF dans les services Azure, c'est que dans le cloud, eh bien Microsoft fait le patch est appliqué immédiatement et vous ne le voyez même pas. Donc c'est évidemment un des avantages du cloud. L'inconvénient, c'est que si Microsoft a décidé de ne pas patcher, bah, vous ne pouvez rien faire. Je vous propose de passer à la méditation et après on va s'arrêter là.
Laissez-moi trouver une petite musique. Je me méfie parce qu'il y a beaucoup de trucs copyright free avec lesquels je me fais épingler. Voilà, alors on va méditer un petit peu pour commencer notre semaine tranquillement. Vous allez fermer les yeux et essayer de détendre tous vos muscles, en particulier les muscles du visage. Et alors, vous allez imaginer que vous êtes sur une plage. Vous êtes sur une plage et devant vous, il y a la mer qui est immense. Alors vous regardez la mer, vous contemplez la mer et vous pouvez voir à travers. Et la mer, c'est tout l'océan. Et c'est un océan chargé de sens, chargé d'informations. Vous pouvez imaginer qu'en fait, cette mer, c'est comme un océan qui a toute la connaissance du monde. Et alors à côté de vous, vous voyez ChatGPT. ChatGPT qui dort. Et il y a un tuyau qui le relie à l'océan. Alors vous comprenez que c'est comme ça que ChatGPT apprend. Et que l'océan, en fait, c'est toute la connaissance humaine qu'il y a sur Internet. Alors vous voyez que ChatGPT, il apprend de l'océan, il apprend des données qui sont de l'océan. Il y a des données positives. Alors vous essayez de plonger dans ces informations positives, comme des pensées positives. Forcément, lorsque vous faites cette méditation, bah vous avez des pensées parasites. Vous avez peut-être des pensées un peu plus négatives. Alors vous les regardez passer, c'est pas grave, ça arrive. Vous les regardez passer, vous contemplez simplement ces pensées, ces informations. Et vous ne leur accordez pas plus d'importance. Bonjour Cédric. Voilà, alors vous imaginez que vous nagez dans l'océan. Vous laissez ChatGPT sur la plage. Il est toujours en train d'apprendre de l'océan de données des internets mondiaux. Et vous vous enfoncez plus loin. Et au fur et à mesure que vous nagez, vous voyez toutes les informations positives, toute la connaissance. Par exemple, toute la connaissance de Wikipédia. Et vous arrivez à avoir toute cette connaissance d'un coup. Ça vous vient par bout. Ça parle de jetons SAML. Ça parle d'attaque par canaux auxiliaires. D'injection de faute. Ça parle de plein de choses super intéressantes. Plein de choses qui n'ont rien à voir aussi. Ça parle de biologie, d'espèces d'oiseaux étonnantes. Ça parle de créatures fantastiques. Ça parle d'auteurs de littérature. Alors vous voyez tout le monde que vous ne pensiez jamais pouvoir connaître. Et vous immergez encore un peu dans toutes ces données, toutes ces informations. Voilà, on va reprendre le chemin de la plage, on va revenir sur la plage, sortir de l'eau. Puis il fait beau, il fait chaud dehors. Et vous séchez naturellement, sans avoir besoin de faire quoi que ce soit. Voilà, cette méditation, un peu sans queue ni tête. Mais c'est ça qu'on aime. C'est ça qu'on aime. Je vous propose de prendre un... Peut-être il est 20, allez, on se donne 9 minutes pour lire un dernier truc. On peut parler de la vulnérabilité de sudo. On peut parler aussi des licenciements monstres de chez Google.
On va aller voir un petit article de Numérama là-dessus parce que je crois que c'est un, je pense que c'est un gros sujet. Je pense que c'est licenciement. Certaines personnes disaient que Google avait trop d'employés. Ces licenciements, en tout cas, ils ont un peu surpris. Et à minima, ils ont surpris les gens qui étaient licenciés parce que vous savez qu'à l'américaine, c'est pas la même chose, hein. Ils sont juste, ça se fait par texto, ça se fait comme ça. Et Google considère qu'ils sont trop embauchés. Et c'est un peu une frustration aussi parce que Google continue à recruter en parallèle alors qu'ils ont viré des gens. Et ils ont viré combien de personnes? Du coup, c'est ça l'information que je cherchais sur cet article. 12 000 personnes, voilà, rien que ça. Rien que ça. Et Amazon, Microsoft ou Meta l'ont fait aussi. Pour l'instant, le seul GAFAM à ne pas l'avoir fait, c'est Apple. Mais en fait, il y avait un truc qui se disait qui était dans la tech, toutes les entreprises avaient trop de. Étaient trop grosses, avaient trop d'employés. Voilà, le reste des trucs, c'est de la tech. Moi, ça m'intéresse pas forcément. Enfin, pas tellement plus que ça. C'est toujours intéressant de savoir ce que Google cherche à faire, mais je suis pas là à idolâtrer Google et essayer de suivre toutes les dernières actualités sur le dernier iPhone, je sais pas quoi. Un petit oiseau. Ah, si! Un dernier article que je voulais absolument vous montrer. Ah ouais, j'aurais dû le mettre dans la une. Les API. En gros, ce qui se passe, j'ai fait un résumé de tout à l'heure. Ce qui se passe, Mozilla, Google a changé l'API pour que les extensions interagissent avec le navigateur. Ça s'appelle l'API Manifest V3. De facto, Google est en monopole, donc ils sont en mesure d'imposer leur API aux autres. Et Firefox a dit qu'ils allaient du coup se mettre à supporter l'API V3 de Google. Sauf que Google, évidemment, est une entreprise qui tire ses revenus de la pub. Donc, Google ne... Donc Google ne veut pas permettre de faire des adblocks. Et donc Mozilla, ils ont annoncé qu'ils allaient faire des efforts. Et alors c'est quand même un peu scandaleux parce que du coup c'est à eux de faire des efforts pour adopter le nouveau truc de Google et en même temps garder la compatibilité avec l'ancienne API parce que ils veulent quand même être en mesure de faire des bloqueurs de pub et des extensions pour sauvegarder la vie privée, etc. Ce que Chrome va progressivement bloquer. Voilà, c'est un sujet très important. Comme d'habitude, il y a un rapport de force entre les différents navigateurs. Et Mozilla, en fait, a l'ambition, ce qu'il faisait très bien avant que Chrome arrive, hein, a l'ambition de rivaliser avec Chrome. Brave, c'est vraiment pour la vie privée. Mais Mozilla a l'ambition d'être beaucoup plus polyvalent. Et à mon avis, c'est quand même un move très dommageable de la part de Google Chrome. Parce que, en fait, s'y mettre de la pub partout, ça va être juste inutilisable. Après, c'est sûr que financièrement, la fondation Mozilla, donc vous savez que Mozilla, c'est géré par une fondation qui a but non lucratif. Et donc, c'est clair que financièrement, c'est pas la même chose. Il y en a un qui est très très rentable et l'autre qui ne l'est pas du tout, qui est une organisation non lucrative. Salut Axel, salut Skiwoo. Je suis désolé que vous arriviez à cette heure-là. C'est étonnant, je pensais que. Il n'y a plus personne qui arriverait à cette heure-là, mais je pense qu'on va s'arrêter parce qu'il est 10h25 et ça fait bientôt 2 heures qu'on est en stream. Donc on va s'arrêter. Je pense que dans le futur, je vais peut-être revenir à 8h si j'arrive moi à me lever suffisamment tôt, de manière régulière. On va essayer de faire 8h-10h pour la matinale. Et peut-être ce que je ferais, c'est que je garderais dans un coin de mon overlay les différentes heures pour les différentes chroniques.
Comme ça, on se dit article 1, article 2, les titres, et puis les chroniques, la méditation, etc. Voilà, écoutez, messieurs, dames, il ne reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, une excellente semaine. J'espère que cette matinale vous a plu. 8h, c'est super, ok, top. Bah, moi, faut que je me lève. Hein. C'est cool de se lever de temps en temps, parce que pour une matinale à 8h, faut se lever beaucoup plus tôt. C'est cool de le faire de temps en temps, mais il faut que ça reste tenable. Donc on va voir si j'y arrive progressivement. Voilà, j'espère que cette matinale vous a plu. On se retrouve dans la semaine prochaine. Peut-être aussi, je ferai peut-être un peu des streams sur Twitch cette semaine ou la semaine prochaine. Typiquement, peut-être du développement en live ou du. Ou du CTF ou autre chose. Voilà. J'ai compris en fait pourquoi les actus sont celles de la semaine dernière, c'est qu'il y a deux bots. Il y a le bot quand on fait actu, en exclamation, une. Et il y a le bot qui les donne spontanément, régulièrement. Et c'est comme la semaine dernière. La semaine dernière, on n'avait pas de bot sur Twitch. En fait, c'est juste moi qui avais mal configuré le truc. Le système marchait très bien, c'est moi qui l'avais mal configuré. Donc bon, mon système avance petit à petit. Et j'espère l'améliorer au fur et à mesure. Et j'espère qu'on pourra faire des trucs très interactifs sur Twitch et YouTube. Voilà. Merci à tous. Salut Chaos. Merci d'être passé. C'est super cool. Bah écoute, merci. J'espère que ton live hier s'est bien passé. Je suis désolé. Généralement, dimanche à 18h, à 17h, c'est un horaire où je peux. Généralement, j'ai du mal à pouvoir. Alors, il faut que je relance la partie YouTube. Tenez, tenez. Hop, je la relance. Et là, si on fait annonce, est-ce que ça marche? C'est du test en live. Hein. Chaos s'est réveillé. Ah, bah Chaos s'est réveillé, mais mon bot s'est endormi. Est-ce que c'est bien le bon bot? Ouais, bon. Étonnant. Ah, je viens de le relancer, Amine. Il lurque depuis le début. Mais tant mieux, tant mieux. Il est trop tôt. Il est très tôt pour être actif dans un chat. Hein. Je profite un peu aussi de ce petit moment en fin de stream. On n'a pas fait on n'a pas beaucoup lu de trucs très techniques. Moi, je serais très content de peut-être essayer de mettre un peu plus l'accent sur des vulnérabilités, des write-ups un peu plus techniques. Ce serait assez cool. Bon, je pense que là, pour le coup, si ça répond pas sur Twitch, c'est qu'il y a un bug. Donc, je débuggerai en temps et en heure. On va voir ce qui se passe. Bah, si le truc bug, on va peut-être le. On pourra peut-être le débugger. Ah! Alors je vois qu'il y a eu, je vois que la commande annonce a marché, mais qu'il y a eu un problème avec l'API. Et c'est peut-être ça qui bloque sur Twitch. Pendant que j'essaie de débugger. Eh bien, je vais vous chercher, pour tous les gens qui sont sur Twitch, on va vous chercher un petit raid.
Tout le monde, c'est la foire là. Tout le monde essaye. Étonnant. Faudrait que je teste sur un environnement de debug. Hop, alors, pour Twitch, on va vous essayer de trouver un petit raid. Je vais couper la vidéo et pour YouTube, on va vous souhaiter à tous une excellente journée, une excellente semaine surtout. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. Non, il n'y a pas de commande debug. Voilà, bonne journée à tous et à la semaine prochaine. Ah bah il y a boulet.